Allez, nous sommes sur l'étang Saint-Paul, sur la rive ouest. Alors, il se prépare une petite session de ski nautique. Je suis à proximité, mais je ne regarde pas du tout de ce côté pour l'instant. Je regarde simplement le reflet de ceci dans l'eau. Je regarde aussi circuler au fil du courant léger les petites feuilles sur l'eau. Qui nous conduisent où ? Qui vont nous conduire la même ? Reflet brouillé. Plus d'image, flouté. Bon, il est passé là-bas du côté de la passerelle de l'étang Saint-Paul. Nous, on va à sa rencontre. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de verdure verte. Il a plu ces derniers temps. Tout est vert. Alors on va les traverser là-bas, on va les prendre un peu plus loin sur la rive, l'arrivée le retour du skieur nautique. Voilà, on va avancer encore un petit peu, on aura fait 100 mètres pour voir passer plus vite, arriver plus vite le skieur nautique. Le voilà qui arrive. Follow me, I follow you. Voilà, on a fait une petite avancée de nouveau pour se trouver plus près de l'arrivée de notre skieur nautique.
Allez, petit bilan des courses. On a commencé presque en face du ski nautique. Après, on a avancé un peu, deux fois. Là, j'ai encore avancé un petit peu. Alors, je prends d'abord le côté étang. Voilà, je suis presque dans l'axe du pont. On pourrait voir un peu plus loin, mais je reste ici quand même. Alors là, je verrai arriver le ski nautique tout à l'heure. Il s'est cassé la gueule entre-temps. Et là, en fait, je prends la sortie quand on quitte l'étang Saint-Paul, ce petit chemin là-bas. Et donc, c'est la clairière au cocotier. Autrement, le chemin est balisé de galets. Les galets du petit pousset. Voilà. Et autrement, c'est là. C'est la fin de la forêt de Cambay. Par là-bas, juste en face du centre de ski nautique, c'est la fin de la forêt de Cambay, c'est l'embouchure de l'étang Saint-Paul. Il arrive, mais nous on va le prendre d'un peu plus loin, avant qu'il arrive justement. Le rebord, ça aurait été bien d'être là-bas. On peut pas tout avoir. Va-t-il repartir ? Nous le saurons bientôt. Et j'étais parti un peu haut. Mais je redescends quand même sur terre, ou plutôt sur l'étang. Flying like a surfeur d'argent. I'm flying underwater. I'm flying underwater. I'm flying underwater. I'm just a surfeur. Et pendant ce temps-là, il y a des runners et non des flyers. Ça fait un pack sur le coureur là. Oh, my God.
quoi ? Je suis malade. Aïe, aïe, aïe. On quitte cet endroit et on remonte plus près. On va aller se mettre plus près de l'arrivée là-bas. On avance par là-bas. Encore un peu. Flying, volant comme un surfeur d'argent, flying like a silver surfer. Il me reste plus qu'une minute, je sais pas si je pourrais prendre beaucoup des suivants. Bon, il semblerait qu'il s'est arrêté, c'est pas mal parce que j'ai plus vraiment de minutage, alors... Le soleil est sorti, c'est pour ça qu'il y a une belle luminosité, il est là le soleil.